pièce à découvrir au Petit Saint-Martin à Paris, Girls and Boys, du dramaturge britannique Denis Kelly. L'histoire d'une rencontre fortuite dans un aéroport qui se transforme en relation passionnée. Pour son premier seul en scène, Constance Delay est une révélation. Chloé Thibault a recueilli les impressions du public. J'ai rencontré mon mari dans la file d'embarquement d'un vol EasyJet. Et je dois dire que cet homme m'a tout de suite déplu. Chaque soir, la comédienne Constance Delay invite quatre personnes du public à prendre place sur scène autour de sa table. On se prend toutes les émotions en pleine figure et c'est un moment complètement hors du temps. C'est vraiment partie de sa vie, quoi. C'est le truc un peu magique, quoi, de cette pièce. La femme qu'elle incarne leur parle de tout, son couple, sa carrière, son rôle de mère, dans un monologue nerveux et bouleversant écrit par le dramaturge britannique Denis Kelly. En une heure et demie, Girls and Boys nous emporte de la comédie à la plus sombre des tragédies du grand théâtre. Notre amour, c'était intense. En fait, c'était dingue. Enfin, j'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez tous vécu ça au moins une fois dans votre vie. Enfin, j'espère. C'est un texte incroyablement politique, oui. C'est un texte qui parle des rapports humains, des rapports, évidemment, comme le titre l'indique, entre les hommes et les femmes, qui interroge le genre, qui interroge le monde actuel, celui dans lequel on vit, mais qui interroge aussi ce que c'est d'une certaine manière que l'humanité. Ah ouais, je me suis amusée. De l'alcool, des drogues, beaucoup de cocaïne et de partenaires sexuels différents, c'était sympa. Et drôle. Et aussi destructeur et un peu déprimant. Époustouflante Constance Delay, magnifique. Je trouve que c'est raconté avec beaucoup de sobriété et ça donne à réfléchir en partant. Donc je trouve que c'est en plus, c'est du théâtre intelligent, quoi, voilà. Je savais qu'il voulait pas d'enfants. On n'en avait jamais parlé, mais je le savais, c'est tout. Merde, on sait ces choses-là, non? On est surpris, hein. On est surpris, ouais. Au début, c'est drôle et après, ça nous prend en trip parce que c'est un sujet dur, ouais. Des fois, je le regardais, je me disais, tu es un père, un mari, un homme, tu as atteint un certain âge, tu n'as jamais eu à tuer quelqu'un. C'est un peu perturbant ce qui se passe là en bas, mais il faut aller la voir. Elle joue très bien. Grande comédienne, ouais. Très grande comédienne.